Sochaux 3e accueille Annecy 10e. Des Sochaliens sur 2 nuls après 3 victoires. Ils veulent retrouver vite le goût du succès pour retrouver l'une des deux premières places. Annecy de son côté n'a perdu qu'une seule de ses 11 dernières rencontres. Il n'est pas évident de battre le promu. Une équipe de Sochaux qui se présente avec Mauricio, Weisbeck, Doumbia et Kalulu. Mais Ibrahim Sissoko est suspendu. Annecy de son côté va compter sur Pajot, Kashi, Chamal, Bozetti et Testu. Première possibilité pour les Lyonceaux, un joli mouvement collectif. La balle dans la surface donnée en retrait. Et l'action conclue par Moussa Doumbia. 1-0 dès la deuxième minute. Huitième but de la saison pour Moussa Doumbia. Sochaux est bien parti. Jolie action au départ de Henri, le latéral droit. Et cette percée de Valentin Henri change tout. Doumbia conclut l'action. Début de match de rêve pour l'UFC Sochaux-Montbéliard. L'équipe d'Olivier Guégan est dans le bon tempo. Même si Annecy réagit avec cette balle d'attaque, une possibilité de vite égaliser le centre et la reprise de la tête au-dessus. Ce n'est pas cadré par Pajot. C'était bien la chance de se relancer rapidement dans ce match car Sochaux continue à aller de l'avant avec des récupérations de balles très hautes. Grosse erreur de relance annécienne. C'est intercepté par Doumbia qui peut servir Gaëtan Weisbeck. Le capitaine de Sochaux marque son 4e but de la saison et le score est de 2-0 dès la 17e minute. Situation complexe pour Annecy. Pas habitué à encaisser beaucoup de buts et à perdre. Le score monte très vite. Et ce n'est pas terminé dans la première période. Car les Lyonceaux continuent à se montrer dans la moitié de terrain adverse. Avec ce jeu long, ça franchit toute la défense. Une bousculade dans le dos et un pénalty en faveur de Sochaux. Weisbeck se retrouve au sol. Et Moussa Doumbia transforme ce pénalty en but. 3-0 à la 38e minute. Et le doublé pour Moussa Doumbia. 9e but de la saison pour lui. Sochaux est plus fort et le montre au tableau d'affichage. Le score est de 3-0 à la mi-temps. Annecy décide de procéder à deux changements à la pause. Moïse Saïdion remplace Bozetti. Baldé remplace Chamal. Essayer d'améliorer la situation, pourquoi pas réduire l'écart pour Annecy. Mais ça repart de plus belle pour Sochaux. Nouvelle attaque sochalienne et ça va au bout. La conclusion de Tony Mauricio lancée par Aneba. 4-0 à la 58e minute. 5e but de la saison pour Mauricio. Annecy a le mérite de continuer à essayer de jouer, de continuer à essayer de mettre le ballon de l'autre côté du terrain. Les Annéciens réussissent même à avoir quelques petites opportunités. En voici une avec un pénalty obtenu par le club visiteur. Juste après l'heure de jeu, une possibilité de marquer enfin un but dans ce match. C'est fait grâce à Moïse Saïdion, entré à la pause. Il marque le but du 4-1. C'est son 10e but de la saison. Olivier Guégan peut néanmoins procéder à quelques changements en étant tranquille avec 3 buts d'avance. On s'approche de la fin de la rencontre. Et il y a encore quelques ballons à récupérer par les Sochaliens sur cette relance complètement ratée. Eliezer Mayenda, entré en cours de match, marque son premier but en Ligue 2 BKT. C'est son 4e match dans la division. Il permet à Sochaux d'augmenter l'ampleur du score. Les Lyonceaux sont efficaces en attaque. Et même s'ils ont encaissé un but, ils ont largement compensé avec tous ceux qu'ils ont marqués. Les Lyonceaux remporte cette rencontre, victoire de Sochaux sur un score de 5-1 contre Annecy.